Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire Attention, ne pas toucher, de et illustré par Tim Warness, édité par les éditions Mijade. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe si on y touche? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Avis de recherche. Chapeau perdu, ne pas toucher. Contactez immédiatement le grand Renato. Roseau, libellule, grumbo, feuille de nénuphar, canoë, nénuphar. Tom la taupe adore étiqueter les objets. Son plus grand plaisir, c'est donner un nom à tout ce qu'il trouve. Son nouvel ami, Grumbo le crocodile, est doué aussi dans ce domaine. Pivert, nid, chêne, mousse, feuille, araignée, toile, laitue, écorce, rugueux, souche, vert, carotte, laitue, rhubarbe, jardin potager, entrée interdite, escargot, gluant, grumbo, pomme de pin, chèvrefeuille, odorant, grimpant, aiguille, écureuil. Un jour sur le sentier, les deux amis font une découverte. Regarde, dit Tom. Un lapin blanc. J'en ai déjà vu des bruns, des noirs et des gris, mais un blanc, jamais. D'où sortait-il? Mystère. Tom commence à coller des étiquettes sur le lapin, mais soudain celui-ci détale. Rattrape-le! S'écrie Tom. Grumbo se lance à sa poursuite. Pomme de pin, papillon, champignon, caillou, oreille. Doux, lapin, mignon, doux, blanc. Un instant plus tard, Grumbo revient coiffé d'un drôle de chapeau avec une étiquette sur laquelle on peut lire « Attention, ne pas toucher !»« Vite, enlève ça! C'est peut-être dangereux !» Grumbo retire le chapeau et... aussitôt, un autre lapin apparaît. « Sapristi !» s'exclame Tom. « C'est un chapeau magique !»« Attention, ne pas toucher !» Oreille, mignon, lapin. « Attention, ne pas toucher !» Oreille, mignon. Le lapin saute à terre et fait un gros, gros câlin à Tom. « Je ne vois pas où est le danger !» dit Tom avec un grand sourire. « Ce ne sont que des lapins !» Grumbo s'amuse à mettre et enlever le chapeau. « Regarde combien de lapins tu as fait apparaître! C'est magique! Je vais les numéroter et nous pourrons jouer au loto !» se réjouit Tom. « 1. Adorable. Moustache. 2. 3. 4. Petit. Attention, ne pas toucher. Chapeau. Magique. Magicien. Oreille. Mignon. Mystère. » Doux, long. Au milieu des lapins câlins, Grumbo est au paradis. Mais pas Tom. Ses petites boules de poils ne restent pas en place et les numéros sont tout mélangés. Quelle pagaille! 10, 7, 9, non 6. Attendez! Ça ne va pas! S'énerve Tom. Cessez de bouger! Mais les lapins ne l'écoutent pas. Chapeau magique, nerveux, soyeux, attention ne pas toucher. Long, oreille, mignon, doux. Mystère, charmant, lapin, 9, câlin, 10, 7, 6, adorable, 4, magicien, gentil, petit. Les lapins n'en finissent plus de sortir du chapeau. 97, 98, 99, 100. Ce qui n'était d'abord qu'un petit jeu très amusant se transforme en gros problème. Arrête ça! Hurle Tom à son ami. Grumbo tente de faire rentrer les lapins dans le chapeau, mais ils gigotent trop. Il essaye de leur faire peur, sans succès. Irrésistible, oreille, 84, rondelet, 72, rose, 93, moustache, 35, 12, 14, 94, doux lapin, 78, 32, 96, 100, 95, magicien, lapin, règle, 5, petit, chapeau magique, long, lapin, règle, nerveux, mignon, doux, 10, 5, petit, magicien, long, 22, 72, doux, rondelet, 46, rose, 97, 45, 11. Quel désastre! Gémit Tom. Les lapins ont mangé toutes les fleurs, ils ont creusé des centaines de terriers et ils laissent des petites crottes partout! Ça suffit! Vilain lapin! Crie Tom. Soudain, le numéro 54 se dirige tout droit vers le potager de Tom. Grumbo pressent le pire. 14, 65, 23, pompon. Irrésistible, 92, 72, velouté, rose, problème, 37, 12, 35, 79, charmant, petit, 92, affectueux, 53, 84, gracieux, 27, long. Tom rattrape le lapin. « Donne-moi tout de suite cette carotte !» ordonne-t-il. Ils tirent et tirent de toutes leurs forces jusqu'à ce que, bam, le numéro 54 lâche prise. « Ha ha, je l'ai !» s'écrie Tom en brandissant la carotte d'un air triomphant. Tous les lapins se figent, le dévisagent,
Puis ils remuent leur museau et... Carotte. Carotte. 54. Magicien, lapin, règle. 54. Il charge! Sauf qui peut! Hurle Tom. Mais Grumbo trébuche et la carotte fait un vol plané. 65. 44. Long. Doux. Pompon. Rose. Doux. 54. Magicien. Lapin, règle, chapeau magique. Ploc, elle atterrit dans le chapeau magique. Un des lapins bondit pour l'attraper et disparaît. Bravo ! Dit Tom. Vite, il nous faut plus de carottes. Les deux amis lancent les carottes une à une dans le chapeau et les lapins se volatilisent l'un après l'autre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Annonce Tom. On a réussi ! 92, 83, 57, grignoteur. Remuant, mignon, pompon, 9, 37. Câlin, rapide, propre, 61, 21, 42, doux, 44, dodu, long, souple, 63, 32, rose, agile, 18, vif, soyeux, 96, 12, 65, 27, 1, 72, problème, magicien. Ne t'inquiète pas, le rassure Tom. Ils sont partis. Avec maintes précautions, les deux amis ramènent le chapeau où ils l'ont trouvé. On a eu assez d'ennuis, pas vrai ? Dit Tom. Mais Grumbo ne répond pas. Dans l'herbe, il a repéré un objet avec une étiquette. N'y touche surtout pas ! L'avertit Tom. Magicien, chapeau magique. Bâton de sécurité, chapeau magique, magicien. Restez à distance, n'approchez pas, attention, lapin, danger, ne pas toucher. Magicien, attention, ne pas toucher. N'approchez pas, attention, lapin, danger, ne pas toucher. Trop tard. Sapristi ! S'exclame Tom. C'est reparti ! Magicien, attention, ne pas toucher. Restez à distance, n'approchez pas. Attention, lapin, danger, ne pas toucher. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, c'était plutôt rigolo. Le chapeau était magique et il faisait apparaître plein de lapins blancs. Donc au début, c'était sympa quand il n'y en avait qu'un seul ou deux. Mais après, quand il s'est mis à en avoir des dizaines et des dizaines, là, ça a été beaucoup plus compliqué pour nos deux amis. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, Grumbo, il joue avec une baguette magique. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle aussi, elle fait apparaître des lapins? Ou ça fait peut-être apparaître quelque chose d'encore pire? N'hésitez pas à me faire savoir, selon vous, à quoi sert cette baguette magique? En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut! Magicien, pardon, désolé, confus.